thank you Allez, allez, salut les gars, voilà, ça c'est Spita, et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc, euh, j'aimerais rappeler un peu, euh, parce que j'ai reçu assez de messages et assez de conversations, alors j'aimerais essayer d'éclaircir un peu en ce qui concerne ceux qui veulent venir étudier en Russie. Voilà, donc, euh, vous avez passé vos tests, vous avez passé euh, le concours en ce qui concerne les bourses russes, et heureusement, vous avez été euh, choisi pour le quota de, de votre pays. Ok, ce n'est pas un problème. Maintenant, ceux qui n'ont pas reçu la bourse aussi, voilà, vous devez vous, vous devez savoir que ce n'est pas vraiment la fin, voilà, parce que il y a un quota et on devait faire des sélections, voilà. Et ceux qui sont au Mali et au Niger qui n'arrivent pas vraiment, qui me posent assez de questions, vous devez savoir que le truc est diplomatique. Actuellement, vous voyez la position de votre pays, vous voyez la position du Niger, vous voyez la position, la position du Mali. Donc, euh, il faudra vraiment être, être conscient de cela et puis savoir que ce n'est pas assez facile. Le truc n'est pas seulement que éducatif, mais le truc est aussi euh, politique. Vous comprenez Voilà, donc, essayez de rester un public calme. Je sais que vous êtes stressé et tout ça. Mais les, les années de langue, si vous obtenez la bourse, l'année de langue, ça peut commencer peut-être euh, euh, en septembre. C'est vrai que les cours commencent ici en septembre, mais, mais votre année de langue peut commencer en octobre et en décembre. Vous voyez Voilà, donc, soit parce que euh, l'année de langue commence le 1er septembre, que si vous êtes en retard, il ne vont pas vous choisir. C'est un truc politique. Donc, si la Russie même veut que vous venez en janvier, vous allez venir en janvier. Si la Russie veut que vous venez en janvier et que vous finissez en juin, comme tout le monde, vous allez venir en janvier, vous allez faire des cours intensifs, vous allez finir en juin. Donc, ne vous embrouillez pas pour ça. Restez toujours coincé dans votre, dans, votre, dans votre cas. Allez interroger toujours l'ambassade, voilà, pour savoir, pour, pour prendre plus d'informations, parce que c'est eux seulement qui décident. Vous voyez, actuellement, à ce niveau-là, c'est eux qui décident. Lorsque vous m'envoyez des messages, moi, je peux vous donner juste des informations. Voilà. Et maintenant, lorsque on écrit, par exemple, par exemple à l'ambassade de, de, de la Russie au Mali, ils n'arrivent pas, eux aussi, à expliquer parce que le truc, c'est un haut niveau. Ce n'est pas à leur niveau actuellement, vous voyez. Ce n'est pas à leur niveau. Il suffit que la, la Russie doit donner son OK, voilà, et votre pays aussi doit donner son OK pour que ces étudiants puissent arriver ici. Voilà. Donc, essayez de rester un peu plus calme. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas du tout un problème. Si vous allez faire, vous devez faire les cours en octobre ou en décembre, vous allez les faire, ces cours-là. Hein. Voilà, donc, restez tranquille, vous allez venir y étudier. Voilà. Parce que quand ils sont partis à, à l'immigration, c'est ce qu'ils m'ont dit, ils ont dit que tout le monde va venir. Tous ceux qui ont, qui ont été sélectionnés vont arriver ici pour venir y étudier. Maintenant, ceux qui ont déjà reçu et qui ont reçu leur code, ou bien qui n'ont pas encore reçu de code, allez-y à l'ambassade pour aller chercher votre visa et venez y étudier. Et je le répète encore, si votre université ne vient pas vous recevoir, nous, nous sommes là, vous pouvez nous appeler, on va venir vous recevoir. Voilà. Mais on doit avoir euh, votre billet d'arriver de, ici deux semaines avant ou bien une semaine avant votre arrivée ici en Russie pour qu'on puisse se préparer et savoir dans quelle perspective on peut vous accueillir normalement. Et je le répète, ceux qui vont acheter leurs billets, essayez d'envoyer ces coordonnées, vos billets et les coordonnées à votre université. Parce que maintenant, il y a une loi qui dit que si l'université n'a pas encore euh, appeler l'immigration pour qu'on puisse vous enregistrer là-bas à l'aéroport il y aura un problème et c'est sûr et certain que lorsque vous allez arriver si on ne vous reconnaît pas dans la base ils vont vous faire repartir il faudrait que vous sachiez cela c'est assez important il peut vous faire retourner si vous n'êtes pas enregistré dans la base de l'université pour dire que vous venez déjà si vous, recevez votre, votre, vous achetez votre billet d'avion tout, tout, tout votre visa et tout vous faites la copie du visa vous faites aussi euh, la copie du guide d'avion, vous envoyez au mail de votre, euh, de votre université. Maintenant, ceux qui n'arrivent pas à, à se contacter, ou bien qui n'arrivent pas à appeler leur université, ça aussi, nous sommes là pour relier les étudiants et les universités. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi nous contacter pour qu'on puisse le faire pour vous. Comme ça, vous nous envoyez, on vous envoie, on envoie à votre université, et votre université saura que vous venez dans tel jour, ou bien tel mois, ou bien euh, à tel moment pour qu'on puisse vous enregistrer directement là-bas à l'ambassade. C'est assez important. Pour ne pas qu'il y ait des, des, des incompréhensions et puis pour ne pas qu'on puisse vous faire repartir. C'est assez important et je le dis encore. Maintenant, si vous allez à l'agence la, dans votre pays et qu'on vous dit forcément qu'il faut payer, eh bien, il faut acheter un billet, aller et tout, essayez de négocier avec ces personnes-là, voilà, pour leur dire que vous voulez prendre le billet, aller, parce que si vous prenez un billet, simple, et que vous arrivez, et qu'on vous dit, par exemple, que euh, vous devez, par exemple, comme ça, rester ici si pendant longtemps, et que vous-même, vous voyez que vous, voulez, vous devez rester ici si pendant longtemps, vous devez maintenant appeler euh, l'opérateur ou bien appeler comme ça la compagnie, ils vont vraiment réduire votre retour en euh, un rien du temps pour vous renvoyer euh, de l'argent qui n'est pas vraiment à votre goût. Voilà. Donc, essayez comme ça d'appliquer ce que j'ai dit, c'est assez important. Voilà. Donc, c'est ce que je disais, pour ceux, par exemple, comme ça, qui doivent venir actuellement en ce qui concerne la bourse et que vous n'avez pas obtenu de bourse, ce n'est pas un problème, j'ai dit et je l'ai repris. Essayez de postuler ou bien essayez de venir dans des universités, par exemple, qui, euh, après l'année de langue, peuvent vous donner des bourses pour pouvoir continuer. Ces universités-là existent. Donc, n'oubliez pas, c'est assez important. Ces universités là existent, alors venez y étudier si vous voulez vraiment euh, y être. Vous voyez, voilà donc euh, c'est un peu l'information que je voulais vous donner pour ceux qui sont vraiment intéressés. Voilà donc les gars, c'était moi de son hospital. Et puis voilà, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Risto 225.